voir, Tissène. Ça sent trop bon, ça. Non, mais viens, montre-toi. Ça. Ça sent bon, hein. Fire when the strobe hits you. Bet you're looking for something new. Salut, salut. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un méga, méga gros haul. Alors, c'est un méga gros haul parce que depuis, ça fait 2 mois que j'accumule des choses, là. Et je devais vous le montrer en vidéo et puis en fait ça m'est sorti par la tête. Donc il y aura des produits, ça sera de la bouffe, ensuite des produits beauté et ensuite des vêtements. Donc je vous fais pas le try on ou le lookbook pour les vêtements parce que j'ai la flemme. On va dire que j'ai la flemme. Donc voilà. Mais si vous me suivez sur Snap, vous m'avez déjà vu avec les vêtements portés. Donc voilà, hein, vous avez quand même suivre sur Snap, comme ça vous verrez les vêtements portés. Donc on va commencer par la bouffe. Alors j'ai reçu, ah ça a collé, ah je crois que j'avais mis sur ma housse de couette. Alors j'ai reçu de la marque Santénat, pourquoi je dis comme ça, Santénat, des infusions. Ah mais tu les as déjà essayées? Oui, alors tu sais là, hein. Des bien sûr que je les ai essayées, ils sont vides les pots. Oui non mais j'ai cru. Genre oui voilà parce qu'ils sont vides plutôt. Oui oui ils sont vides, oui j'ai déjà essayé, ça fait plus de 2 mois que je les ai essayé. Donc ça c'est des franchement c'est trop bon. C'est trop bon, là je vais m'en recommander parce que c'est trop trop bon, surtout celui à l'aloe vera. Alors en fait c'est des infusions en gelée. Alors c'est des infusions en gelée que vous pouvez mettre en infusion comme, comme une tisane. Ou alors vous pouvez la tartiner sur du pain pour petit déjeuner ou quoi. Ça fait une espèce de confiture. Et franchement c'est trop bon. C'est trop trop bon. Surtout celle à l'aloe vera, elle a le goût au bonbon. Mais c'est trop bon, regardez j'en ai presque plus. Alors bien évidemment ma préférée a été moi l'aloe vera. Mais il y en a qui ont préféré le gingembre, hein. Et le citron, faut aimer le citron. Mais franchement c'est super bon, j'ai trop aimé. J'ai trop trop aimé, j'en recommanderai c'est sûr. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de où est-ce que je l'ai commandé. Et c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Ce qui est bien, c'est que l'aloe vera et le yuzu, parce que ça s'appelle du yuzu, en fait, c'est une espèce de citron, je pense que c'est une espèce, ouais, du citron. C'est du citron coréen. Il y a de la vitamine C à l'intérieur, ainsi que l'aloe vera. L'aloe vera, franchement, c'est super bon pour le corps. Et le gingembre aussi, pour l'hiver, c'est super bon. Pour combattre les maladies, les petites maladies d'hiver. Reçu aussi de la marque Malindo. Alors c'est des tisanes de légumes. Alors moi j'adore les tisanes, tout ce qui est tisane et tout ça, j'adore ça. Donc là j'ai voulu tester les tisanes de légumes. Donc là il y a la citrouille pirate bio et le capitaine carotte bio. Alors franchement c'est super bon. Alors on dirait que vous buvez de la soupe mais en bouillon. Vous savez, est-ce que, je sais pas vous, mais moi quand j'étais petite, ma mère quand j'étais malade, elle me faisait toujours des bouillons de légumes ou des bouillons de magie. Elle faisait chauffer ça dans de l'eau et je buvais ça comme ça quand j'étais malade. Donc elle me donnait ça pour pas parce que j'avais faim mais je pouvais pas manger, en fait des choses comme ça. Et là en fait c'est des tisanes mais aux légumes. C'est comme si vous mangez de la soupe mais sans les légumes quoi, du bouillon de soupe quoi, du bouillon de légumes. Et c'est super bon. Ce qui est bon dans la carotte, c'est qu'elle est très épicée. Elle a du curry dedans, du curcuma, du gingembre, du coriandre. Et ben, je sais pas pourquoi il y a marqué gingembre et gingembre moulu. Voilà, il y a des herbes aromatiques. Donc elle est super bonne et super épicée. Et dans la citrouille, il y a de la citrouille, de la pomme, du coin, de la carotte, du curcuma, du chili écrasé. Et tout ça, c'est bio. Et franchement, c'est super bon. Ensuite, on va passer au produit beauté. Alors, un produit beauté, j'ai reçu de la marque Trio Essentiel Visage. Alors je l'ai laissé dans la boîte parce que j'ai trouvé ça joli sur ma commode. Donc du coup je l'ai laissé dans la boîte et je le sors au fur et à mesure comme ceci. Alors j'ai reçu le gommage visage doux. C'est un petit gommage. Alors tout ça c'est à la fraise. C'est l'eau qui est à la fraise. C'est un petit gommage doux en fait. C'est un gommage exfoliant. Moi j'en avais acheté un chez Sephora. C'est comme des petites, ouais, c'est comme du sucre, enfin, ça a texture un peu du sucre en poudre, sauf que c'est pas du sucre. Et voilà, c'est un gommage visage doux au bambou. Ensuite, à l'intérieur, il y a le masque mousse à la fraise. Voilà, ça c'est, et ça sent bon, mais ça sent bon, et ça on a envie de le manger. Viens voir Tissène, ça sent trop bon ça. Non mais viens, montre-toi. Ça.
elle est vraiment bien aussi. Voilà, j'en ai. Regardez votre petit chat, il fait des vidéos. Regardez, elle fait quoi? Eh bien, je fais ma petite vidéo. Donc, ensuite, il y avait la gelée micellaire. Voilà. La gelée micellaire. Ce qui est bien, c'est que. En fait, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas attendez, parce que ça va se verser. C'est un masque. Mais c'est super mou et. Ouais, c'est un masque. Ça sent trop bon. Et quand vous appuyez, mais ça sent quoi? Ça sent le yaourt à la fraise. Ah ouais. Ouais, le yaourt à la fraise. Ça sent super bon. Franchement, il est vraiment génial ce lot. Voilà, j'ai reçu ça. Alors, tout ce que je vous montre, là, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et quand j'ai des codes promo, évidemment, je vous mets les codes promo en barre d'infos. Ouais, ne vous inquiétez pas. Ensuite, de la marque Benefit. Alors, j'ai reçu pas mal de produits de la marque Benefit. Vous en avez. Je vous en ai montré la dernière fois. Je suis désolée les gens. De la marque Benefit, alors là c'est le rouge à lèvres que j'ai sur les lèvres, il est vraiment bien, il est très hydratant. Et moi qui ai souvent en hiver les petites peaux sur les lèvres, ben franchement quand je l'ai mis aujourd'hui, nickel quoi. Et ce que j'adore sur ce rouge à lèvres, alors c'est le rouge à lèvres, c'est le double the lip, on doit dire en anglais à mon avis, c'est que... Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, il a deux couleurs. C'est-à-dire, il a une couleur beaucoup plus claire en bas et beaucoup plus foncée en haut. C'est-à-dire que quand vous le mettez autour des lèvres, ben, vous avez un effet, vous avez les lèvres beaucoup plus foncées qui partent beaucoup plus claires dans le cœur des lèvres. Et c'est super joli parce que ça fait super naturel. Et moi, j'adore. Franchement, je l'ai reçu, je l'ai testé, j'ai adoré direct. Ensuite, j'ai voulu tester le Duo Shadow Blender. Alors ça aussi, c'est une nouveauté qu'a fait Benefit. Et c'est tout simplement une ombre à paupières. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, je vois pas du tout. C'est une ombre à paupières en fait double. C'est-à-dire que vous avez la couleur plus claire sur le dessus. Oui. Plus claire sur le dessus et plus foncée sur le dessous. Et vous avez la petite éponge. Voilà, c'est une petite éponge mousse. C'est-à-dire que vous prenez la couleur. Et vous faites comme ceci et vous avez déjà la couleur qui est sur les yeux. Alors honnêtement, j'ai testé, mais voilà, c'est très facile d'application, mais par contre, ça ne se voit pas énormément. Donc ça peut être bien d'un côté, mais si vous voulez être beaucoup plus maquillée, peut-être qu'il faut repasser plusieurs fois. Du coup, après, on ne voit pas trop bien la couleur, mais les couleurs sont super belles. Après, si vous les utilisez autrement avec un autre pinceau, les couleurs, franchement, elles sont super jolies. Ensuite, toujours la marque Benefit. Alors là, je suis dégoûtée parce que j'ai reçu... alors c'est le Kaabron, c'est comme ça qu'on dit? En fait c'est le gel crème pour les sourcils quoi. Et en fait je l'ai reçu juste après avoir fait ma micropigmentation. Donc du coup ben, je suis dégotée. Je le garderai pour quand ma micropigmentation partira un petit peu entre mes retouches. Et voilà, franchement il est génial. Voilà. Ensuite la couleur, je ne sais pas, je trouve qu'elle est un petit peu claire par contre. C'est la numéro 3. Alors je ne sais pas si en partant d'un chiffre plus haut. Oui, c'est plus foncé. C'est plus foncé? Mais moi elle me va. Donc ça dépend des carnations en fait. Ouais, je pense. Je pense que ça dépend. Mais je verrai ça quand j'aurai plus la micro-pigmentation. Parce que ma micro-pigmentation elle est quand même assez foncée. Donc je verrai. Ou peut-être pour faire le centre des sourcils. La tête des sourcils. Ouais. Voilà. Donc il y a le petit gel comme ceci. Et. Le petit pinceau, voilà, sur le dessus. Mais franchement, ça c'est vraiment génial. Il est bien, Tisselle? Parce que du coup, moi j'ai pas pu le tester. Tisselle, on a dit qu'il était génial. Donc, si Tisselle a dit qu'il était génial, Tisselle qui est adepte des produits à sourcils, donc ça veut dire qu'il est génial. Ensuite, j'ai reçu de la marque Clarins deux additions de concentré d'éclat. Voilà, alors j'ai reçu celui pour le corps et celui pour le visage. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est comme des petits boosters, en fait. Alors, celui-ci, c'est pour le visage. C'est comme des petits boosters que vous mélangez avec votre crème de jour pour le visage, votre crème de nuit, votre crème, tout simplement. Et vous la mélangez dans votre crème et vous l'appliquez sur votre visage. Ce qui fait que ça va vous faire, en fait, un auto-bronzant sur mesure. Ça va vous aller le visage, c'est-à-dire qu'en hiver, c'est très bien. Parce que voilà, vous allez avoir un effet bonne mine, un effet bronzant, sans pour autant être couleur carotte. Donc franchement, c'est vraiment génial. Je l'ai testé et mon teint, j'avais un teint en fait comme si que ouais, j'avais passé ma journée un petit peu au soleil, mais sans trop quoi. Et j'ai reçu pareil un concentré éclat, mais pour le corps. Donc pareil là, quand vous sortez de la douche après avoir fait votre gommage, n'hésitez évidemment avant de mettre tous ces auto-bronzants, faut
surtout ne pas oublier de se gommer parce que sinon vous allez avoir des taches, des traces et c'est vraiment pas joli. Donc surtout n'hésitez pas à vous faire un gommage de peau avant de mettre ces produits là. Donc celui-ci c'est pour le corps, pareil vous la mélangez avec votre crème de jour et vous vous badigeonnez tout le corps avec. Donc ce qui est bien c'est que vous la mettez avec votre crème déjà, donc vous en mettrez beaucoup moins et c'est pareil, c'est pareil que l'autre en plus gros. Voilà, il est beaucoup plus gros parce que c'est pour le corps. Vous avez juste à pomper ici, là, et vous faites sortir les gouttes. Et franchement, c'est génial. C'est vraiment génial, quoi. Par contre, à ne pas mettre seul. Surtout, il faut le mettre avec votre crème. Si vous le mettez tout seul, catastrophe. Donc voilà, ça c'est vraiment bien aussi. Donc je vous mets aussi le lien en barre d'infos, c'est chez Clarès. Ensuite, j'ai reçu de la marque Happiness Boutique. J'ai reçu des petits bijoux que j'ai adorés de suite. Donc j'ai reçu des boucles d'oreilles, regardez comme elles sont trop belles. C'est des petites fleurs transparentes mais elles sont trop belles. Regardez, regardez-moi ça, comme elles sont belles. Elles sont pas belles, franchement. Tu les as jamais mises quoi. Pas encore, j'ai pas fait la coiffure pour. Je les ai pas encore mises. Hop, attendez, je la remets pour pas la casser. Donc j'ai reçu ça. Ensuite, j'ai reçu d'autres boucles d'oreilles. Celles-ci, elles sont beaucoup plus, plus festives. Voilà. Petites boucles d'oreilles avec des grosses strass. Elles sont aussi super belles. Moi, j'aime tout ce qui est gros. De toute façon, j'aime toutes les grosses boucles d'oreilles. Les grosses boucles d'oreilles, je préfère parce que c'est ce qui se voit le mieux. Et ensuite, j'ai reçu trois petits colliers. En fait, c'est des colliers, vous savez, qui se mettent en cascade un peu. Voilà, celui-ci, il est un petit peu plus ras de cou. Ensuite il y a celui qui est un petit peu plus long, voilà, avec la petite perle au bout, voilà, hop, ça fait 1, 2, et le troisième qui est beaucoup plus long, et celui-ci il est super beau aussi parce qu'il a des perles autour, voilà. Donc du coup quand vous le portez ça fait un effet un petit peu pyramide, voilà, et c'est super joli. Voilà, alors ça, c'est des produits qui viennent de la boutique, enfin du site Happiness Boutique. Et voilà, ce qui est bien, c'est que j'ai eu aussi des petites attentions, une petite carte pour Jessica. C'était vraiment gentil, franchement, avec un petit cœur en plus. C'était vraiment sympa de leur part. Et voilà, c'était tout bien emballé. Bon, moi, j'ai tout déballé n'importe comment, mais c'était tout bien emballé, c'était tout joli. Et vous allez trouver sur ce site, et c'est vraiment pas cher du tout. Donc, je vous mets tous les liens de ce que j'ai eu là en barre d'infos. Vous allez voir que c'est vraiment pas cher du tout. C'est une petite boutique qui est vraiment pas chère du tout. Et vous avez pas mal de bijoux là-dessus. Ensuite, on va passer aux vêtements. Donc, aux vêtements. Alors, je ne sais plus si c'est Romwe ou Shein. Donc, je vous dis pas. Je vous mettrai en barre d'infos. Vous allez checker. J'ai reçu la petite veste. Alors, il faut que je vous dise aussi que là, c'est bientôt le vendredi noir, c'est-à-dire le Black Friday. Je crois que c'est, je ne sais plus si c'est ce vendredi-là ou le prochain, mais vous avez ces jours-ci des promotions sur Shein et Romwe. Donc vous regardez en barre d'infos, je vous mets toutes les promotions, c'est-à-dire il me semble que pour 55$, parce que c'est en dollars, enfin vous pouvez les faire les devises en euros, mais par exemple pour 55$, il me semble, d'achat, vous avez 10$ de réduction. Donc je vous mets tout en barre d'infos. Vous allez voir que les produits que moi que j'ai reçus, les articles que j'ai reçus sont vraiment trop beaux. Déjà, j'ai commandé cette veste, voilà, ce petit perfecto, je suis sûre que ce petit perfecto déjà vous allez l'adorer, voilà, avec la petite fermeture sur les manches, la petite ceinture, voilà, il est vraiment très beau, c'est celui que, alors attendez la mise au point, il est vraiment très beau, c'est celui que je porte sur la vidéo de la micropigmentation des sourcils, si vous voulez aller voir, c'est celle que j'ai fait les semaines passées là. Donc c'est vraiment, il est super beau porté. Vous allez voir, j'ai pris un taille L parce que je sais que sa taille est petite. Tissène a pris le même en kaki, mais elle a pris un taille M et elle est un petit peu serrée sur... t'es un petit peu serrée quand tu fais ça. Ouais. Mais sinon, franchement, il est en suédine, il est super beau, il n'y a pas de défaut. Il est ni trop épais, ni trop fin. Donc franchement, mi-saison, il est parfait. Ensuite, j'ai reçu une autre veste. Alors celle-ci aussi, j'ai trop aimé. Par contre, j'étais un petit peu déçue parce que je la voyais plus longue que sur le la photo. Elle me paraissait plus longue en fait. Et finalement, elle n'était pas si longue que ça. Donc j'étais un petit peu déçue. Voilà, elle est comme ceci. Mais sinon, elle est trop belle. Elle est comme ceci.
avec les deux poches en fourrure. Je n'ai pas encore mis celle-ci. Voilà. Alors, normalement, vous la recevez comme ça. Et c'est à vous à mettre les petites fourrures. Les petites poches en fourrure. Voilà. Mais si vous ne voulez pas les poches en fourrure, vous avez une poche en dessous. Vous enlevez tout simplement la petite poche en fourrure et vous avez la veste grise simple, quoi. Voilà, regardez comme elle est super belle. Ensuite, elle n'est pas courte, hein. Je ne veux pas dire qu'elle est courte, hein, mais je la voyais beaucoup plus longue. Ou alors, c'est parce que non, c'était une taille unique, je suis pas une taille unique. Par contre, la qualité, elle est trop douce. T'as touché comme elle est douce ? Ouais, j'ai touché. Elle est trop douce. La qualité, franchement, super, quoi. Ouais, et celle-ci... Alors, par contre, le Perfecto, il me semble qu'il était aux alentours de 25 euros. De toute façon, il était à moins de 30 euros. Et celle-ci, je crois qu'elle était aussi aux alentours de 20 et quelques euros. Voilà. Donc, si vous voulez aller voir pour le Black Friday, vous allez avoir des promos. Allez voir ma barre d'infos. Comme ça, vous paierez moins cher. Ensuite, j'ai reçu cette robe... Non, elle est où ? Cette robe-là. Je vous parlerai du plus beau à la fin. Ensuite, j'ai reçu cette robe-là avec le petit col... Le petit col en haut et effet plongeant devant. Avec les manches comme ceci. Alors par contre, j'ai été un petit peu déçue parce que... en fait, elle est trop grande. Elle est trop grande, mais voilà. Portée avec une petite paire de cuissardes et mon Perfecto que j'ai reçu le mois dernier noir. Franchement, c'est super beau. Même avec le jaune, c'est super beau. Le seul truc qui me déplaît un petit peu là-dessus, c'est qu'elle est un petit peu grande dans les manches et du coup ça pendouille un petit peu. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, en hiver, ça se voit pas dans le manteau, ça se verra pas du tout. Mais sinon, elle est super jolie. Ensuite, ce que j'ai reçu, ça aussi, c'est super beau ça. Tissène, elle aime pas. Et celle que t'as sur toi aussi. Non, celle-ci, c'est celle du mois dernier. Quand je me mêle. J'ai reçu la robe chemise. Voilà, alors celle-ci, elle est super belle parce qu'elle est... courte devant, mi-cuisse, et derrière elle arrive au mollet, donc elle fait un effet vraiment asymétrique, qui est super beau, avec la petite ceinture, je vous mettrai, si vous cliquez sur le lien, vous allez voir porter comment elle fait sur la mannequin. Ensuite, ce que j'ai reçu, c'est une autre robe, noire comme l'autre, qui est un petit peu plus courte devant et plus longue derrière, voilà. Ah non, celle-ci, non, elle est pas comme ça, si, non, elle est pas comme ça, celle-là, elle est... courte devant et derrière, assez, elle est plus longue derrière que devant et aussi plus longue sur les côtés. Voilà, en fait elle est comme ceci celle-là, où on ne voit plus. Voilà, et elle est avec un petit col comme ceci et une ceinture. Alors j'avais cette ceinture avec, voilà, je ne l'ai pas mise avec, mais j'avais cette ceinture avec. Et celle-ci aussi pareil, avec une petite paire de bottes en cuir, là, les bottes Rangers. Franchement ça fait super beau avec une... Perfecto, ça fait super beau aussi. Même avec le Perfecto jaune, ça doit faire super beau. Hein. Ah ouais, j'essaierai avec. Voilà, donc par contre, le seul truc que j'ai été déçue, c'est... Enfin, déçue, pas déçue, parce qu'elle est jolie. Mais je pensais pas que le tissu, ça soit comme ça, en fait. Vous savez, c'est le tissu côtelé, là. Avec les rayures. Sinon, ça va. Ensuite, ce que j'ai reçu, c'est... Alors là, je suis dégoûtée, parce qu'en fait, je suis trop grosse si je rentre pas dedans. J'y rentrerai peut-être quand j'aurai perdu mon poids, là, que je suis en train de maigrir, là, petit à petit. Hein. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. C'est le pantalon, tu l'as pas essayé toi, voir si t'as les. C'est le pantalon taille haute. Voilà, pantalon taille haute, hein, pantalon carotte là, que tout le monde met, que tout le monde aime. Eh bien moi, je voulais en commander un. Alors celui-ci, j'ai pris un, je crois que j'ai pris un XL là, quand même. Hein. Et en fait, il taille trop petit. Bon, c'est pas que je fais un taille S, hein. Mais quand même quoi, je fais pas un taille XL, hein. Je dois faire un taille L. Hein. C'est ça hein, quand même, hein. Ouais, taille L, on n'exagère pas. Hein. Et je suis dégoûtée parce qu'en fait, c'est trop petit. En fait, c'est pas qu'il est trop petit, il me va, mais il me sert. Et ça, normalement, il faut que ça soit quand même assez large. Parce que dès que vous pétez ou que vous vous baissez, quoi, ça fait un trou au pantalon. Quoi. Quand on pète, ça casse le pantalon. Ben, je sais pas. Non, voilà, je suis dégoûtée parce que du coup, ben, il me va pas. Mais sinon, franchement, le tissu, nickel. Et la qualité, franchement, nickel. Je vous le dis. Et pour finir, mon gros coup de cœur. Si vous êtes sur Snap, vous avez vu, je vous l'ai montré sur Snap. J'ai pas gardé la photo pour leur mettre la photo. Non, je vous dis, j'ai pas gardé la photo, mais sur Snap, je vous l'ai montré. Elle est trop belle. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Franchement, je pensais pas que mettre une combinaison comme ça, ça allait m'aller. Après, j'oserais pas encore sortir avec, tant que j'aurais pas perdu mon gros cucu. Mais je pense que là, c'est pendant le printemps, ça va y aller la combinaison. Regardez. Regardez cette combinaison de fou. Avec les petites manches comme ceci. Voilà. Elle a la fermeture sur le côté et en fait, elle est large au pied. Elle est large au pied.
mais elle est trop belle. Parce qu'en plus, ici, elle est cintrée. Il y a une petite ceinture avec, je ne sais plus où elle est. Il y a une petite ceinture, elle est du coup cintrée. Et après, elle part large. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mon Dieu, elle est trop belle, celle-là. Vas-y, celle. Voilà. Elle est vraiment trop belle, celle-là. En plus, elle est cache-cœur, elle fait cache-cœur. Et quand vous la mettez... Mais ça fait habillé, mais habillé. On dirait que vous sortez, là. Vous sortez en botte de nuit, avec. C'est pas possible. Voilà. C'était vraiment le big... Attendez, ça me gratte. Ah. C'était vraiment le big méga haul que je voulais vous faire. Hein. J'en ai accumulé des choses depuis le temps. Ça en fait des choses. Hein. Donc voilà. Attends, attendez. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté sur Action. Enfin, je vous ai fait une fois une vidéo Action, mais j'ai oublié de vous montrer. Regardez ce que j'ai trouvé chez Action. C'est une petite valise comme ceci. En fait, c'est un porte-document. Et c'est trop trop beau parce qu'à l'intérieur, regardez, vous avez même le bloc-notes avec. Et là, vous pouvez mettre plein de choses, quoi. Vous pouvez mettre vos papiers, là vous pouvez mettre le stylo, voilà, une carte, vous pouvez mettre plein de choses. Hop, vous fermez avec la fermeture. Attendez. Hop, vous fermez avec la fermeture. Et voilà, ça vous fait une petite valise. Moi j'adore. Et je l'ai payé combien? 3,99€. 4€. Donc franchement, si vous avez un Action à côté de chez vous, franchement ça c'est pas mal. Je suis sûre qu'on peut même mettre un ordinateur dedans, un petit ordinateur. Ou une tablette. C'est nickel. Voilà, donc j'espère que ce haul vous aura plu. J'ai l'impression que j'avais le truc, il était haut comme ça. En fait, tu m'as mis... Regarde comment tu m'as mis la vidéo. Regarde le truc que j'ai en haut quand même. Mais attends, maman, depuis tout à l'heure tu fais la vidéo. C'est maintenant que tu te regardes. Mais ouais. Mais c'est pas haut. Enfin, je sais pas, je suis mieux en plus. Mais si, regarde la hauteur. En fait, j'aurais baissé plus. J'aurais pas eu besoin de faire comme ça, là, avec mes habits. Mais je sais pas, moi. Ah, mais... Ah, quand c'est pour madame, là, elle se fait belle, elle, sur la vidéo, hein. Elle se fait un beau cadrage, hein. Elle m'a même levé la luminosité, là, pour que je sois bien blanche et bien moche dans la vidéo. Mais du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu, que je vous aurai présenté des produits que vous ne connaissez pas, parce que moi, il y a plein de produits que je ne connaissais pas, comme la tisane aux légumes, la tisane en gelée, il y a quoi qui était super bizarre. Il y a plein de trucs qui étaient super bizarres, hein, dans mon truc, quand même, non? Ouais, il y a des trucs qui étaient bien. Je suis contente de mon rôle, quand même. Ouais, parce que c'était que des jolis produits, des produits bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez, voilà, si vous ne trouvez pas des articles ou quoi dans la barre d'infos ou autre, n'hésitez pas à me demander. Ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Espèce de gros...